Exitez-moi l'histoire, exitez-moi l'histoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend. De l'Europe, de nous, dans le Saint Sabbat de l'Éternel. C'est avec un cœur rempli de joie et de plaisir que je suis là encore avec vous pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, 3 février 2024, l'an de grâce, le premier sabbat du mois de février, après avoir passé en bien sûr la dicte du Saint-Esprit, le mois de janvier, malgré très difficile. Mais jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus, là, jusqu'ici, là. Nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer. Et maintenant, nous attaquons le deuxième mois de l'année calendrier grégorienne, etc. Mais nous attaquons le deuxième mois de l'année, mais dans le calendrier juif et calendrier hébraïque, entre mars, février. Je crois que mars, 1er et février, c'est le dernier mois, le mois d'Adar et le mois. Bref, on reviendra là-dessus. Mais dans le calendrier gréco-romain, ce qu'on nous donne aujourd'hui, là, nous sommes dans le mois de février. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, rien de nouveau sous le soleil. Réditez-moi l'histoire, réditez-moi l'histoire. Réditez-moi l'histoire. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Éveillez ma mémoire. Oubliez parfois cette histoire si belle. Dis-la simplement, elle est toujours nouvelle. Elle est toujours nouvelle. Elle est toujours nouvelle. Réditez-la moi. Réditez-le moi. Car je suis ignorant. Nous te disons merci Seigneur, nous te demandons que tu sois avec nous, envoie pour nous le Saint-Esprit, une double portion du Saint-Esprit, des langues de feu, des voix surnaturelles, l'esprit des discernements, et touche nos lèvres avec le charbon ardent de ton autel, comme tu l'as fait pour Esaïe, afin que nous puissions parler avec force les derniers messages des trois anges, je t'en prie, Monsieur Jésus. Amen. Le détournement, maintenant c'est l'aspect spirituel. Je considère l'aspect historique, l'aspect juridique. Maintenant, nous sommes dans l'aspect spirituel, mais toujours par rapport au caveau chétif. Okay? Mais maintenant, comme c'est le sabbat, nous respectons le sabbat de l'Éternel, mais nous considérons le détournement d'une manière spirituelle, c'est-à-dire à travers la Bible. Mais maintenant, dans les autres jours de la semaine, etc., nous pouvons considérer tout aspect. Par respect pour la parole de Dieu et par respect pour le Saint-Sabbat de l'Éternel, nous allons considérer ensemble le détournement. Le détournement, ce que font les pasteurs, ce que font les grands dirigeants, ce que font les hommes qui amassent, mais sans oublier le point culminant, sans oublier libellé ou encore l'assertion qui conduit à la contribution. Qui conduit à la contribution, à la contribution. Voilà. Sans oublier libellé, l'objectif, le point principal. Et en dehors des libellés, en dehors de l'assertion qui conduit à la contribution de chacun, et là, nous allons considérer ensemble, à la lumière de la Bible, d'une manière spirituelle, le détournement. Détournement, c'est quoi? Ok? Détournement, c'est quoi? Et c'est ce que nous allons considérer. Il y a presque trois verbes du l'original grec qui traduit détournement. Je reprends, frère Simplice, merci. Et notre sœur Yolandrini, la sœur Vava, merci frère Simplice. Je vois que vous participez ensemble avec nous, frère Simplice, merci. La sœur Vava, Gabrielle Suzette, Infatigable, Ginette Dessine, Edalie Séjour, Yolandrini, Adeline Félix, Pascal, Augustin. Sans oublier notre sœur Nakoto Soyo, Marie Odson, la sœur Stéphanie Clerville, Fadelia Depay, Nodeline Nessens,
Nelly Régis, Nadège Joseph, Julie Jean-Baptiste, ça monte de mémoire là. Et ça monte de mémoire, hein, ma soeur. Et Julie Jean-Baptiste, ça monte de mémoire. Et Claire Marie Mathieu. Et je passe, je vous salue, chacun d'entre nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Roseman Hérissé, oui, les noms montent comme ça. La soeur Roseman Hérissé, les Fatigables, etc. Et notre ami commun bien connu. Je vous salue. Ok. Le détournement. Catacrésis. Catacrésis du grec. Emploi, usage. Emploi, usage. Quelque chose qu'on a fait usage. Qu'on a fait emploi. Emploi. C'est action de soustraire illégitimement quelque chose à sa destination morale pour son profit. Je suis dans la première interprétation, encore la première définition du mot grec de détournement. Catacrésis. Catacrésis, c'est l'emploi, usage. C'est l'emploi, usage. C'est action de soustraire illégitimement, action de soustraire illégitimement quelque chose à sa destination normale pour son profit, à sa destination première, le détournement. C'est action de soustraire illégitimement quelque chose à sa destination normale ou encore première pour son profit. C'est appropriation, appropriation frauduleuse des sommes dont on n'est que le dépositaire. On vous donne quelque chose, mais maintenant vous faites appropriation frauduleuse de sommes. C'est catacrésis. Apotrophée. Apotrophée, c'est mot dérivé. Il y a le mot, il y a l'adverbe, il y a le verbe. Ok? Le mot apotrophée. Apotrophée, c'est le mot dérivé qu'on a. Dans le nom, on va ajouter le suffixe ios qui pour donner l'adjectif. Apotrophé, c'est détournement. Apostrophaios, c'est l'adverbe qui est l'adjectif. Non, c'est l'adjectif détournement. Apostrophé, c'est le verbe. Et apotrophaios, c'est l'adverbe, c'est l'adjectif. Le verbe, c'est apostropho. C'est le verbe. Je prends le nom, apostrophe. Je prends l'adjectif apostrophaios. Je prends le verbe apostropho. Nom, adjectif et verbe. Apostropho signifie tourner, détourner. Tourner, détourner. Enlever quelque chose à quelqu'un. Le détourner de la légence quelqu'un. Retourner, remettre, rapporter, déserter. Tourner, détourner. Hein? Retourner, remettre, rapporter, déserter. Se détourner, remettre, rapporter, exciter, détourner. Aposteio. Apostrophon, dit verbe, on peut retrouver ça. Revient à cela. Là, on a qu'on emploie le verbe apostrophe. Matthieu 5, verset 42. Nous allons considérer quelques versets, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quelques versets, nous allons considérer ensemble. Je vous demande votre attention là où on va trouver le mot ou encore le verbe apostrophe. C'est là qu'on va trouver. Et Matthieu 5, verset 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ne se détourne pas, vous voyez? Ne se détourne pas. Tourner, détourner, retourner, remettre, rapporter, déserter. Ne désertez pas, ok? Ne se désertez pas, ok? Ok? Retourner, rapporter, remettre à celui qui veut emprunter de toi. Ok, rapporter, retourner, remettre, c'est l'aspect différent des autres de détournement, de détourner, de détournement. J'espère que vous comprenez.
Ok? Ne, ok? Matthieu 5, verset 42, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas à celui qui veut emprunter de toi. Détourner, le verbe qui est différent là par rapport à détournement, là c'est apostrophe. Matthieu 26, verset 52 aussi. Matthieu 26, verset 52. Là, nous lisons ensemble. Après Matthieu 52, Matthieu 26, verset 52. Matthieu 26, verset 52, je demande votre attention. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à ta place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'est-à-dire, remets, retourner. C'est différent par rapport avec un fond. C'est l'emploi, l'usage. C'est différent par rapport à catacrésis qui signifie l'emploi. Ici, c'est apostrophe, 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 qui est le nom, apostopha, apostopaios, qui est l'adjectif, et apostropho, qui est le verbe. Ici, c'est le verbe apostropho. Là où Jésus-Christ a dit, alors Jésus remet, ça lui dit retourner. Remettre, rapporter, ok, remettre. Dans Matthieu 5:42, pas déserter à moun qui mando yon bagay. Moun qui vle prêter yon bagay, remettre ça, vle prêter. Et là, il dit remettre, ou on prend épée dans le fourreau, quand il a parlé ensemble avec Pierre. Matthieu 27, verset 3. Matthieu 27, verset 3. Alors, Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta. Vous voyez, rapporta combien? Rapporta les 30 pièces. Rapporta. Il retournait les 30 pièces. J'ai ba li là, il retournait comme ça. N'est pas oublier l'argent du sang dans le champ du sang. Il retournait. Et avec l'argent, ça, on va l'acheter. Le champ du sang avec l'argent du sang du criminel. Et mais c'est ce que font les grands dirigeants avec les détournements du cabinet chétif. Avec l'argent du sang, ils ont bu du sang des malheureux, ils ont enlevé. On avance. Maintenant, ça, c'est Matthieu 27, le verbe c'est 3. Il lit, remet l'argent, j'ai autre point là. Il remet l'argent, il détourne, il remet l'argent. Ok? C'est le verbe, ok? Aposta. Apostello qui signifie tourner, détourner, lui remettre l'argent que yote prend. Ok. Maintenant, dans Luc 23, Matthieu, Marc, Luc. Luc 23, le verset 14. Luc 23, le verset 14. Que dit le verset? Luc 23, le verset 14. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Vous m'avez emmené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici, je l'interrogeais devant vous et je ne l'ai trouvé coup. Luc, et ça, Luc 23, verset 14. Oui, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici, je l'interrogeais devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune chose dont vous l'accusez. Aucune ces choses dont vous l'accusez. Dont vous retenez contre lui. Retenir contre lui. Je ne trouvais rien. Actes 3, le verset 26. Actes chapitre 3, le verset 26. Je vais lire pour placer ça dans son contexte. Actes 3, le verset 26, cher pasteur. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. En détournant, emploi, usage, chacun de vous de ses iniquités. Ok. Romains 11, verset 26. Romains 11,
verset 26. Nous lisons rapidement Romains 11, le verset 26, page 1144. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Romains 11, verset 26. De Timothée 1, verset 15, page 1210, 1, 2, 1, 0. Votre attention, s'il vous plaît. OK? De Timothée 1, verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres effigies, et m'ont abandonné. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. De Timothée 4, verset 4. Détournement l'oreille. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. OK? Car il viendra un temps, verset 3, de Timothée 4, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine. À ne pas oublier, OK, ma doctrine n'est pas de ce monde. Je viens de placer à travers les conciles, OK, les 21 conciles œcuménistes. Ma doctrine, problème de doctrine. OK. À ne pas oublier de Timothée 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous voyez, la saine doctrine. La saine doctrine de Timothée 4 verset 3. La saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, je note pas là, selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Tite 1er, verset 14. C'est clair, la vraie sœur. Titre 1er, verset 14. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Détournement. Hébreux 12, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-ci-là n'ont pas échappé, que refusent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Si nous nous détournons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là, nous sommes en train de considérer les différentes phases de détournement. Nous sommes pendant en première partie, le verbe kata. Le verbe kata, crésis, emploi, usage, c'est action de soustraire illégitimement quelque chose à sa destination première ou morale appropriation frauduleuse de somme dont on n'est que le dépositaire. C'est catacrésis. Le deuxième, c'est apostrophe détournement, apostropaios détournement. L'adjectif est le verbe apostropho. Tourner, détourner, enlever à quelque chose, le détourner, retourner, déserter. Mettez EPA, retournez EPA dans le fourreau. Ou détournez les oreilles pour ne pas attendre. C'est une doctrine, ou attendez une foule de docteurs qui a conduit à la perdition. Bon, si vous ne pas attendre, si vous ne pas mettre pour attendre, pour détourner des choses, mais pour ne pas capable attendre, pour capable tourner face vers les paroles qui sont en haut dans celle-là, qui ça, ou attendez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous considérez au ensemble de versets, catacrésis.
emploi ou usage apro, strophe, et là, nous allons considérer Actes 5, verset 2, verset 1, verset 2, le détournement d'Ananias, ou encore d'Anani et Saphir. Qui s'appelle là, qui s'appelle produit par rapport, c'est l'aspect spirituel. Maintenant, nous allons considérer deux verbes, nous considérons le verbe catacrisis et le verbe apostrophe, ok? Apostrophe, nous allons considérer lui dans l'aspect de détourner plusieurs fois, ou utiliser deux, ou en troisième, vous pouvez utiliser encore comme emploi, ou usage, c'est lui-même, vous pouvez utiliser dans Actes 5, verset 2, côté Anani, ça nous connaît de Ananias, et Saphira, Saphira, qui pourra le retenir, qui pourra le garder, qui pourra le détourner une partie de l'argent du champ. Et là, ça va conduire à quelque chose. Et nous allons faire une sorte de parallélisme par rapport à l'autre monde qui a fait détournement, et spécialement dans le cas là. C'est fin, première partie là, détournement, première partie. Merci. Allons. Ok, nous allons aller dans la deuxième partie pour nous capables plus définir et pour nous capables aller ensemble pour nous capables ouais différents aspects. Réditez-moi l'histoire, réditez-moi l'histoire.